Bonjour, bienvenue à tous. Je m'appelle Alex, je travaille à l'éducation pour Purologie. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin pour le premier segment Purologie pour la troisième édition de Perfecto, qu'encore une fois cette année, on est hyper content de faire partie de cet événement. Aujourd'hui, je vais avoir la chance d'être accompagné de Joanie Paquin. Je vais la laisser se présenter. En fait, là, c'est une invitée spéciale aujourd'hui, là, puis je suis vraiment content de l'avoir avec nous. Allô? En fait, moi, c'est Joanie. Je suis propriétaire et copropriétaire du Salon Le Host à Québec. Ça fait 7 ans que je suis dans le domaine de la coiffure. Aujourd'hui, je suis vraiment contente qu'on m'ait invitée pour parler un petit peu plus des produits Purologie que j'affectionne particulièrement. On les a en salon depuis l'ouverture, puis honnêtement, je ne m'en départirai pas. Oh yes! Voilà, aujourd'hui, dans le fond. Dans le fond, c'est ça pour aujourd'hui. En fait, c'est ça ce qu'on avait comme idée. En fait, là, t'sais, on va avoir un premier volet un peu plus couleur, puis on va avoir un deuxième volet à 11 h, un peu plus au niveau du styling. Je vais laisser Joanie vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'elle avait en tête là, pour ce matin. En fait, j'ai vraiment monté une collection pour Purologie, vraiment pour présenter un peu mon inspiration des looks automnales. Je veux quelque chose qui est chaud, qui est naturel. On aime beaucoup le laver-porter. On aime des couleurs qui sont durables. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de monter une modèle pour vraiment vous montrer un peu les balayages que je fais en salon. J'ai choisi une modèle qui a les cheveux frisés parce que c'est souvent, je trouve, les gens qu'on est un petit peu plus craintifs à aller décolorer ou il y a beaucoup plus de techniques à faire dans un cheveu frisé. Il faut faire attention à la texture, il faut faire attention parce que la cliente, si elle aime le porter frisé, on a besoin de ne pas aller contre le cheveu et abîmer le cheveu. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ma modèle aujourd'hui. Donc, on peut regarder sur peut-être le mood board pour l'inspiration de la collection. Donc, je suis allée vraiment avec les couleurs qui sont un peu plus pastel. Je suis restée dans quelque chose qui reste doux et naturel. Je trouve que ça représente vraiment bien la collection Puro. Ensuite, j'ai fait aussi un mood board vraiment pour m'inspirer pour mes modèles. Aujourd'hui, j'ai trois looks que j'ai créés. Donc, comme je vous dis, aujourd'hui, je vais vous montrer plus la technique balayage que j'ai faite sur Marie-Christine. On peut voir la slide aussi où est-ce qu'on voit l'inspiration pour la couleur. Ça, c'est Morane. Ce n'est pas la bonne. Marie-Christine. Super. Donc, pour Marie-Christine, pour les couleurs, elle a un niveau naturel, je dirais environ 6. Comme je vous dis, je veux vraiment respecter la boucle, respecter le cheveu. Donc, on va y aller vraiment mollo avec un balayage super naturel. Je veux vraiment donner un pop de lumière dans ses cheveux. Donc, pour la couleur, c'est vraiment l'inspiration que j'avais. Donc, je vais aller avec des nuances quand même chaudes, pas trop pâles. Puis, pour le styling, après, on va vous montrer les produits qu'on va utiliser pour réaliser vraiment un look qui est vraiment volumineux, qui reste des belles boucles quand même lisses. Donc, ça va être ça, vous allez voir à la fin dans le deuxième segment. Super, good. Bien, merci beaucoup, Joanie. Écoute, là, notre modèle, qu'est-ce que tu nous montres ce matin? Là, je vois là, en fait que là, c'est ça, déjà là, elle semble prête. déjà, oui, elle semble déjà comme assez entreprise. Oui. Oui, en fait, je suis vraiment allée, comme je vais avoir des marottes un petit peu plus tard pour vous montrer le sectionnement que j'ai fait dans ses cheveux. Martine, ça faisait environ un an et demi qu'on n'avait rien fait dans ses cheveux. Elle a un mariage qui s'en vient, on veut le maximum de longueur, donc on a décidé de prendre une pause, de faire attention à son cheveu. Puis là, elle était due, comme je vous dis, pour vraiment un pop de lumière. Donc, je veux vraiment aller vers quelque chose de super naturel. Il y a trois sections. En fait, j'ai la section qui est derrière, juste ici. Je suis allée de façon imbriquée. Pourquoi imbriquée? Je ne voulais pas des mèches serrées parce que je veux vraiment me garder de la profondeur. Donc, en imbriquant les mèches, je suis sûre de me garder des zones de cheveux qui sont naturels, ce qui est vraiment important parce que je ne la veux pas blonde à la fin. J'ai crêpé mes ongles, donc encore là, je vais vous montrer sur ma route un petit peu plus tard. Donc, j'ai vraiment imbriqué un papier, deux, un, deux. Fait que, comme ça, je suis vraiment sûre de garder ma profondeur. Donc ça, c'est l'arrière, j'ai tout crêpé comme je vous dis, puis je suis vraiment venue dessiner. Quand je vais enlever mes papiers, vous allez voir vraiment que le design de la mèche est déjà là parce qu'on va appliquer un root shadow après et un nuanceur. Il ne faut pas oublier que les root shadows et les nuanceurs ne sont pas là en correction. Donc, les mèches doivent être déjà impeccables. C'est ça. On va voir tout ça après. Et ici, dans le fond, j'ai deux sectionnements de chaque côté que j'ai monté encore en gardant beaucoup de naturel, mais garder de la profondeur. Et pour le face framing à l'avant, je voulais quelque chose de super naturel.
Elle parlait vraiment bien au soleil. Elle avait déjà presque un face firming naturel, donc j'ai suivi ça beaucoup. Tout dépendant de la pose des cheveux, il y a certaines personnes qui vont avoir des face firming un petit peu plus gros, d'autres un petit peu plus petits. Puis Maxine se sépare toujours sur le côté, donc clairement, je vais avoir plus de papier ici que ici. Donc, c'est pas mal. Ça fait le tour, mais comme je vous dis, en enlevant les papiers, on va mieux voir aussi. Hein? Super! C'est pas mal ça. Je suis pas mal certaine qu'elle est presque prête à rincer. Je vais juste vérifier son rose. Parfait! Oh yes! C'est ça, je vous confirme que ce matin, en fait, là, ça travaillait un petit peu comme des petites abeilles. Là. Tout le monde était occupé sur les modèles. Parfait. Donc, je vais lui enlever quelques papiers en dessous. Donc, yes. On voit déjà, c'est le blending qui se fait. Puis j'ai crêpé aussi pour me faire une deuxième, je dirais, sécurité. En décrêpant, les mèches vont redescendre, mais on vient vraiment dessiner les mèches. Donc ici, j'ai vraiment... déjà, ma décoloration, je ne veux pas la rendre à blanc parce que mon but n'est pas qu'elle soit extrêmement blonde. C'est bien de garder un petit jaune sur le cheveu, vraiment, pour s'assurer qu'on est capable de... que notre nuanceur va bien prendre, en fait. C'est pas bon de décolorer un cheveu à blanc. Donc, on essaie de garder quand même un bon niveau. Je dirais que j'ai à peu près un niveau 8,5-9, puis c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, je vais lui enlever les papiers, que vous voyez. Donc, tu sais, on voit que oui, j'ai de la mèche, mais il me reste beaucoup, beaucoup de naturel. Étant donné qu'à frise, tout va vraiment bien se mélanger. Maxine, elle porte aussi vraiment frisé. T'sais, c'est important de demander à votre cliente qui a les cheveux frisés si elle a l'habitude de se plaquer les cheveux ou si elle les porte aussi frisés parce que les placements de mèches vont peut-être être différents dans ce cas-là. Ici. Donc, mon arrière, on voit déjà que tout est quand même bien blendé dans ce qui fait des mèches. Yes! Ça, c'est oui! Ça. Parfait! Pour que vous voyez aussi au niveau du face framing, parce que j'ai tout crêpé, j'ai pas parti les mèches de la racine, sauf pour le face framing à l'avant. Super, on voit ton éclaircissement est quand même assez constant. Est-ce que tu l'as comme. As-tu utilisé le même décolorant en arrière, en avant? J'ai commencé au 20 à l'arrière, j'ai fini avec le 30 ici de l'autre côté. OK. J'utilise le décolorant Platinum. Par contre, je sais que c'est souvent 1 pour 1, mais j'aime beaucoup utiliser du 1 pour 2, ce qui me donne plus de temps pour monter les mèches et plus de temps aussi. T'sais, ça va décolorer un petit peu moins vite, mais ça va être beaucoup moins agressif pour le cheveu. Donc, souvent, je préfère ça. Mais oui, de jouer avec les oxydants, c'est vraiment l'idéal si on veut rincer tout en même temps. Normalement, en salon, je vais rincer mon arrière avant de sauter, mais là, bon. Oui, oui. En live, c'est autre chose. Pour les besoins de la cause. Exact. Donc, oh, yes. Ça. Fait que tu peux me le laisser. Parfait. Pour le face framing, je suis allée avec des séparations extrêmement fines que je suis venue tricoter. Puis, je suis vraiment montée jusqu'à sa racine. OK. Puis là, ce que je veux, c'est vraiment comme entourer le visage, donner beaucoup de lumière. Vous voyez qu'elle a... Je voudrais 3 papiers. L'autre, j'ai commencé à le graduer au sens où je n'ai pas resté toujours en endroit. Je suis venue en angle okay. pour faire un raccordement entre mon face framing et le reste okay. de la zone. Fait que tu as comme une section, dans le fond, qui lie un peu là, les deux sections. Celui-là. Parfait. Que donc, tu fais en baby lights. Exact. Puis lui, je ne l'ai pas monté jusqu'à la racine. Je suis vraiment venue le rejoindre. Comme je vous dis, pour que ça passe comme un raccord entre les deux. Fait que si je comprends bien, en fait, ici, tu es extrêmement près du cuir chevelu, exact. Puis progressivement, en fait, là, tu t'éloignes. Okay. Exact, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment maximiser la lumière au niveau du visage, puis vers l'arrière, aller faire comme une goutte d'eau, un petit peu plus profondeur à l'arrière. Super! Fait que Maxine, tu vas pouvoir aller au lavabo, elle va rincer tout ça. Donc, elle va se faire rincer, et elle va revenir ensuite, on va appliquer le fond et le nuanceur. Oh yes! Super! Oui! Parfait! Fait que, dans le fond, si on veut juste regarder, en fait, là, c'est ça, le sectionnement, il a été fait juste ici. Fait que vous voyez, en fait, là, c'est comme ça, dans le fond, c'est exactement le même sectionnement, dans le fond, que sur Marie-Christine. C'est exactement, est-ce que c'est le sectionnement principal que tu utilises pour la majorité de tes balayages? Oui, ou, oui vraiment. Tout ce qui est balayage effet naturel, qu'on ne va pas coller jusqu'à la racine, c'est vraiment mes séparations que j'aime faire. Donc, on a l'arrière, on a les deux côtés, puis le face framing, si la cliente veut un face framing. Sinon, on pourrait tout simplement avoir deux sections ici. Mais je vous dirais que le face framing est quand même à la tendance. Donc,
Et ce sectionnement est souvent présent. Oh yes! Parfait! Donc, aussi, on voit des sectionnements qui sont très propres sur la marotte. C'est vraiment pour vous montrer les sectionnements. Par contre, chaque cliente a une pose de cheveux qui est différente. Donc, c'est vraiment important de respecter ça. Comme ici, la marotte est séparée pratiquement au centre. Si votre cliente se sépare toujours sur le côté, c'est important de respecter sa séparation. Donc, si, exemple, votre cliente se sépare toujours de ce côté-là, votre milieu serait ici. Donc, c'est vraiment important. Puis c'est important aussi de jouer avec les cheveux parce que beaucoup de gens vont avoir des rosettes à l'arrière. Tu sais, on va pas aller forcer le cheveu pour les séparations parce que si moi je force ma marotte comme ça pour dire que ça c'est sa section avant, quand on la détache, toute cette partie-là ici, elle s'en vient à l'arrière. Donc ma mèche n'a pas le choix d'être derrière. Donc c'est vraiment important de venir jouer dans les cheveux de la cliente. De comme se servir un peu du tombant naturel pour aller créer tes sections. C'est très important. Mais comme parfait. J'aime ça. Sinon, c'est sûr qu'à la fin, tu peux te ramasser avec une mèche qui est trop haute à l'arrière, qui finalement, elle n'est pas là. Oui, exact. En essayant de faire quelque chose qui est trop parfait. Exact. Puis souvent, je vais séparer mes trois sections, puis je vais finir mon fessurming. Je vais le déterminer tout dépendant du sourcil de la cliente et aussi de l'implantation. OK. Donc souvent, je vais faire tout simplement mes trois sectionnements. Je vais commencer mon arrière, je vais commencer mon côté. Quand je vais être rendue, comme ici, c'est comme toi, ton implantation, à l'arrêt juste ici, bien, ça serait là que je pourrais commencer ton face framing. OK. Ça fait que c'est vraiment quand tu arrives près de l'implantation, exact. Dans le fond, que là, tu commences à... Je regarde si, parce que c'est important aussi que ça tombe au niveau des sourcils pour pas qu'on se ramasse avec un face framing qui est trop loin. Donc, super! Cool! C'est important de vraiment regarder la pose des cheveux de la cliente. Moi, d'avoir une idée quand même en tête, mais de s'assurer quand même de laisser vivre le cheveu, là. Oui, exact. Donc, j'aurai mes deux sectionnements à l'avant. J'aurai mon derrière, qui est ici. Puis souvent, les clients vont avoir des petits cheveux dans la nuque qui sont souvent abîmés par les chandails ou les couettes trop serrées. Bien, c'est important de ne pas se battre avec ça. C'est vraiment un cheveu qui est abîmé, donc il faut y laisser de l'air. Souvent, je vais laisser tomber la première. Fait que le début de croissance, toutes les, que les gens ont appelé les cheveux de bébé ou ça, tu les laisses tomber, là. Parfait. Parce que sinon, les cheveux de bébé sont tannants, mais si tu mets les mèches dedans, il n'y en aura plus. De préférence, on essaie de ne pas y toucher. Donner non plus l'impression qu'on les a cassés, ouais. Oh, OK, parfait. Fait que là, notre marotte, elle n'en a pas de cheveux de bébé. On va commencer. Puis la nuque, il y en a qui ont des nuques en pointe, il y en a qui ont des nuques un petit peu plus carrées. Donc souvent, mon premier papier, je vais y aller selon justement la nuque. Je vais souvent y aller de façon horizontale, puis ensuite, je vais venir faire mes côtés, vraiment pour entourer la nuque. Donc si la cliente s'attache les cheveux, on est certaine qu'elle a des mèches de chaque côté et en dessous. Super! J'ai hâte de devoir appliquer ton décolorant. Fait que là, c'est exactement dans le fond la manière que tu l'as appliqué exact. Sur Marie-Christine. Exactement. Oh ouais, ça c'est toujours ça. Pour le crêpage, je ne sais pas s'il y en a qui ont de la difficulté avec le crêpage, mais souvent la difficulté première avec le crêpage, c'est de le démêler après. Oui, bien exactement, c'est ça, j'ai hâte que tu m'en parles un peu, puis je remarque aussi la manière que tu le crêpes. Parce que c'est souvent des commentaires qu'on reçoit, honnêtement, là, les gens n'aiment pas ça faire ce genre de technique-là, souvent parce que soit ben, ils savent pas comment crêper, ils ont de la misère, après ça quand ils arrivent au lavabo. En fait, un bon crêpage est censé bien se démêler à la base, mais il y a certains cheveux qui sont plus difficiles à crêper ou plus difficiles à décrêper. Moi, dans toute ma clientèle, j'ai peut-être deux clientes que je ne crêpe pas. Okay. Parce que j'y arriverai pas. Okay. C'est qu'ils ont un cheveu super fin qui s'en mêle beaucoup. Fait que c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais quand même, la majorité peuvent. La majorité, oui. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je tiens quand même ma couette assez basse, puis je remonte mes cheveux. Tu peux y aller comme ça, là, parce que c'est sûr que tu n'y arriveras plus après. Oui, je remarque que tu ne donnes pas beaucoup de coups, en fait. Là. 2 à 3 environ. Donc, j'aurai mes cheveux jusqu'en haut. Puis souvent, je vais me mettre une pince. Je me remonte ça juste pour être sûr que celui-là ne redescende pas quand je vais appliquer ma couleur. OK, parfait. Comme Marie-Christine, en ce moment, pour la démêler, en train de faire rincer les cheveux. Pour le démêler, on a utilisé le masque Color Fanatic. Il fait vraiment bien pour le démêler. Donc, on lave les cheveux, on applique notre masque, on démêle avec la brosse. Pour vrai, ça sauve beaucoup de temps et la cliente, c'est un petit peu moins douloureux. Et oui, c'est une super astuce. En plus, le masque Fanatic, il est super pour égaliser la porosité. Fait que j'imagine que même au niveau de la.
de la prise de la couleur, ça doit même avoir un impact aussi, là. C'est sûr que plus ton cheveu est traité, plus il est en santé, plus le nuanceur va bien adhérer au cheveu. Donc, j'y vais. J'ai mis un petit peu de couleur sur mon papier, juste pour que mes cheveux tiennent bien. On vient saturer les longueurs avant de monter. Puis le moins possible, on essaie de venir friper les pointes. C'est trop tourner notre... OK, de laisser vraiment le plus lisse possible. Le plus lisse possible. T'sais, des fois, ça va arriver qu'on va faire un tour, mais c'est d'y aller doucement. Ouais, puis là, je remarquais comme tes papiers sont pas mal à longueur, en fait, de la chevelure là, sur laquelle tu travailles. Là. De préférence, ça va beaucoup mieux. Fait comme ça, je suis sûre de... Pour éviter de ne pas avoir vraiment à replier la mèche, là. Donc, un coup que j'ai saturé mes pointes, je m'assure qu'il me reste un petit peu de décolorant sur mon pinceau, mais pas trop. Puis on va venir remonter. Ce que je fais, c'est que je viens déjà de dessiner la mèche que j'ai envie d'avoir. Donc, tu sais, tantôt, quand je vous disais, le root shadow, le nuanceur, c'est pas une correction de couleur. C'est vraiment là pour embellir ce qu'on a fait. Donc, les mèches devraient déjà être impeccables. Tu sais, je vois souvent des crêpages que les gens vont venir monter ça jusqu'en haut. Oui. En se disant, je vais décrêper, ça va être correct, mais la ligne reste. Fait que si je comprends bien, dans le fond, c'est que c'est jamais trop fondu, là, jamais. En réalité, là. Fait que c'est le crêpage, c'est pas... Tu comptes pas que sur ton crêpage, en réalité, non. Pour te faire un fondu, là. Exact, du tout. Du tout, du tout. Donc, c'est vraiment important que les mèches soient bien faites. Puis, tu sais, souvent, on a tendance, on jase avec notre cliente et tout, mais c'est vraiment important de se recentrer sur notre balayage puis se demander si la mèche que je viens de faire est à la bonne place. Est-ce que le placement est idéal pour maximiser la lumière que je veux donner pour me laisser assez de profondeur? Est-ce que j'ai fait trop de mèches? Pas assez? Est-ce que j'ai assez monté? Fait que si on parle trop avec la cliente, on finit par juste comme perdre le fil un petit peu. Mais puis c'est que des fois, j'ai l'impression qu'on se perd parce que, tu sais, des fois, il y a des coiffeurs que je vois qui font une tonne de mèches, une tonne de mèches, mais en même temps, on regarde quand même les looks tendances. Puis tu sais, c'est... Est-ce qu'il y a une tonne de mèches? Des fois, c'est, je pense que c'est qu'ils sont bien placés. Tu sais, c'est vraiment plus des mèches qui sont réfléchies plutôt exact. Qu'une quantité. Là. Parce que ça m'est arrivé souvent de, mettons, faire une taille de mèche. Je pouvais avoir peut-être deux fois moins de papier que ma collègue. Oui. Et finalement, ma cliente était plus blonde que ma collègue. Pourquoi? Tout simplement le placement des mèches qui était à un endroit spécifique versus un montage de mèches qu'on fait de façon robotique depuis toujours. Chaque cliente va avoir le même robot. Par contre, certains endroits, je vais monter un petit peu plus haut les mèches, d'autres, je vais en faire un peu moins, je vais imbriquer, je ne vais pas imbriquer, tout dépendant du résultat que la cliente veut. C'est important de vraiment y aller selon la cliente, parce que sinon, toutes vos clientes vont être pareilles. C'est pas ce qu'on veut. Ah ouais, c'est comme notre pire ennemi. Donc, puis est-ce que tu les fais toujours en superposition, là, dans le fond? Fait que là, je vois que tu ne plies pas ton papier sur lui-même. Non, dans le fond, tu le plies simple. Les seuls papiers que j'ai pliés, c'est vraiment pour le face filming, pour le confort de la cliente, parce que sinon... OK, pour éviter qu'elle les ait dans le visage, là, ouais. Exact. Donc, ça serait comme pour une mèche, le crêpage et tout. Je ne sais pas si tu veux qu'on continue avec la personne ou si tu veux... Parfait. Ben non, je pense qu'on voit quand même bien. Fait que en réalité, super, j'aime vraiment ça. Fait qu'on va faire revenir notre modèle. Fait que vous voyez, en fait, c'est bon signe en fait qu'elle soit déjà prête. Fait que j'imagine que ton associé n'a pas eu trop de misère à démêler ses cheveux. Ça a été super bien. Très bien. Le maquillage n'a pas coulé non plus, fait qu'elle n'a pas pleuré. Good. Fait que, comme je vous disais tantôt aussi, tu sais, j'ai été selon les mèches pour les cheveux. J'avais été vraiment selon sa séparation. Maxime ne se sépare pas ici, donc je vais la replacer à la bonne place pour faire le fond. Donc, on voit déjà que les mèches, il n'y a pas de commencement, de départ. Ben, c'est déjà beau, là. Oui, c'est ce que c'est supposé donner à la base, c'est ça, là. On est vraiment... Tu sais, je pourrais ne pas en faire, mais on veut donner le petit kick de plus, fait qu'on va en parler. J'ai hâte de voir. Là. Tantôt, là, tu parlais un petit peu comme de couleur chaude. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu me mijotes. C'est quelque chose que des fois, j'ai l'impression que les coiffeurs ont peur un peu de la chaleur. Tu sais, c'est quoi ton opinion là-dessus, dans le fond? Là, en fait, je pense qu'on connaît un peu toutes les blondes qui nous disent « Je veux pas ce jaune, là, ben, je veux pas ce jaune. » Juste jaune, mais souvent, ils nous disent « Je veux pas de jaune. » Puis ils vont prendre une photo, puis la chevelure est vraiment dorée. Donc, il y a une différence entre être jaune et être dorée. Ouais. On peut aller chercher vraiment une richesse dans... Mais c'est que souvent, on dirait ce qui est associé à du jaune, c'est que c'est souvent peut-être comme un décolorant qui n'est pas adéquat, là, qui n'est pas... Exact. C'est sûr, si je veux un niveau 9, je la décolore niveau 8, elle va être jaune. Oh oui! Un niveau 9, tu sais.
Et là, qu'est-ce que tu as choisi là, Pour pour son fond, je ces suis allée avec formules? quelque chose qui est super naturel, qui va ressembler beaucoup à son fond. Donc, je vais avec un 6M, tout OK. simplement, dans Dialight, au OK. 6 volumes. Et c'est ce que je vais y appliquer dans son fond. Puis, pour les longueurs, comme je vous dis, t'sais, oui, les clientes ont peur un petit peu du doré, mais on a été, même les coiffeurs, mais c'est qu'on a été longtemps dans un cendré gris, blond polaire, mais là, on est complètement ailleurs. On veut respecter le naturel. Puis, plus on va respecter le naturel de la cliente, plus les couleurs vont être durables. Plus on va jouer contre son pigment, moins la couleur va rester belle longtemps. Ça va être beau quand ils vont partir, mais 2 semaines après, c'est terminé. Puis, t'sais, souvent, les clientes qui sont blondes vont utiliser beaucoup, beaucoup de shampoing bleu pour garder quelque chose qui est cendré. Et c'est là qu'on va avoir un problème où la couleur va devenir fumée, qui va perdre tout son éclat. Donc, Prologis a sorti un bon produit pour ça, d'ailleurs. Oh yes, oui. Mais là, c'est ça donne bien. Je trouve ça quand même cool, honnêtement, que tu nous présentes comme des collections chaudes aujourd'hui. Mais en réalité, tu sais, Pureology, on sait que c'est une marque qui est vraiment comme axée sur les soins couleurs. Je trouve ça le fun aussi qu'au niveau de tes looks, puis que tu sois comme dans la durabilité. Parce que c'est vrai, carrément, aujourd'hui, ben, je sais pas si c'est moi ou tu peux me confirmer, mais j'ai l'impression que les clientes, de plus en plus, sont à l'aise à rester beaucoup de temps au salon, mais veulent pas avoir à revenir Exactement. rapidement. Ben, en fait, c'est exactement ça. Les clientes veulent venir aux 4 à 5 mois. Et donc, pour revenir à un 4 à 5 mois, c'est sûr que nos techniques doivent être impeccables sur le blending, mais aussi nos couleurs. Si on veut que la cliente revienne et qu'elle aime encore sa couleur, c'est pour ça que je dis d'arrêter de se battre avec la couleur naturelle de la cliente, ça va aider. C'est vrai que souvent, c'est ça, hein, t'sais, puis c'est, je pense, un peu le même principe pour les rosettes, toutes ces choses-là. Tu sais, c'est un combat qu'on gagne jamais, là, carrément, là, Exactement, t'sais, on de peut. se battre contre la nature, là. C'est ça. Fait que, tu sais, pour Marie-Christine, étant donné qu'elle a un niveau 6 qui est quand même chaud, elle pâlit naturellement au soleil, moi, j'ai envie de donner cet effet-là, qu'elle a pâli au soleil, donc qu'elle a passé le temps qu'elle joue Oh, au on se doute que c'est peut-être pas vrai, mais au moins, comme l'illusion est Exact. Fait que c'est là. pour ça que pour elle, tu sais, je vais y aller vraiment avec un niveau 9. Tu sais, je veux pas la garder super claire. Le niveau 9, je ne mettrai pas de clear non plus. Je veux vraiment que ça se dépose. Je vais aller avec un niveau 9 naturel, puis du 931 en de la richesse, vraiment pour donner justement la richesse de tout ça. Puis je veux la garder très lumineuse. J'aurais pu aller avec un niveau 9 avec du clear, mais comme je te dis, mon but, c'est pas d'avoir des mèches très blondes au travers son champin. C'est vraiment d'avoir un effet lumière. Puis j'irai pas non plus dans du cendré parce que son naturel est quand même lumineux. Je vais garder plus de lumière. Je vais juste durable. Super, cool. Fait que si je résume en fond, fait que tu as un Dialight en repousse 6, Exact. puis richesse 9N 931 pour les longueurs et pointes. Exact. Est-ce que tu vas l'appliquer en même temps? Est-ce que tu vas le faire en deux étapes? Est-ce que Quand comment c'est que. des balayages très naturels comme ça, on peut les appliquer. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais appliquer vraiment le fond et les longueurs que je vais melter ensemble. OK. Puis quand que c'est des couleurs qui sont un petit peu, tu sais, que ma cliente est très blonde, comme ma prochaine modèle que vous allez voir tantôt, elle, je lui ai vraiment fait un petit fond pour dire, vraiment pour, Très léger, c'est là, à ça, peine. exact. Puis, je n'y ai pas laissé longtemps non plus. C'est sûr que tu laisses le temps que la couleur se dépose, mais des fois, des road shadows, c'est 5 minutes, 7 minutes. Puis, j'ai rincé, puis ensuite, j'ai appliqué le nuanceur pour pouvoir le laisser pleine longueur, tu sais, puis le temps nécessaire dans les longueurs. Puis, je ne voulais pas que mon fond devienne comme opaque. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment fait en deux parties. Fait que quand tu recherches vraiment comme un dépôt qui est très, très, très léger, à ce moment-là, tu le fais en deux étapes. Exact. Mais comme, mettons, dans le cas de Marie-Christine, où est-ce que tu recherches quand même une teinte, Je là, veux t'as une pas profondeur, peur de le qui est faire comme profonde. en une Exact. étape. Puis là, je remarque aussi, dans le fond, par rapport à ton application, en fait, là, c'est ça, t'as commencé par en arrière, tes Oui. sections semblent aussi Je comme à la préfère toujours commencer par verticale. derrière parce que des fois, le produit peut me surprendre et agir plus vite. Donc, je préfère que ça agisse plus vite à l'arrière que perdre mon effet en avant. OK. Donc, Fait que c'est je vraiment, en fait, cherche comme derrière. ça ici, là, tout ce qui est face framing, ça, tu vas terminer par là. En fait, là, je m'en viens comme ça, je vais le faire. OK. Puis, je vais prendre l'autre côté. Mais j'aurais jamais commencé par mon devant pour pas me ramasser trop opaque en avant. Je veux que ça soit translucide. Comme je vous dis, je veux qu'elle ait l'air d'avoir parlé au soleil. Donc, je ne vais pas venir tout cacher ce que j'ai fait là. Donc, OK. vraiment, je vais y aller doucement en avant pour dire. Puis, c'est en brossant tantôt, en venant mettre tout ça, que Que là, tu je vas aller viens chercher. cacher la profondeur. Exact. C'est Super. de cette façon-là. Puis qu'est-ce que, mettons, comme là, comme dans son cas, qu'est-ce que tu lui recommanderais? Exemple, mettons, comme cette cliente-là, là, elle part du salon, qu'est-ce que tu lui recommanderais par rapport à l'entretien? Quelle est la fréquence? Qu'est-ce qu'elle doit utiliser à la maison? Honnêtement, un balayage comme ça, on pourrait se revoir dans 8 mois, 6 mois.
on pourrait se revoir entre les deux pour la nuanceur, juste pour donner quand même, redonner de la brillance. redonner de la brillance à son cheveu. Mais sinon, tout ce qui est produit à la maison, dans Purologie, j'irai avec le Hydrate qui est très hydratant pour sa boucle. C'est pas mal ce que je lui conseille. J'ai hâte de voir tantôt quand même le look fini. Fait que là, en fait, c'est ça. Fait que tu vas toute la préparer avec le shampoing, le soin Hydrate. Oui, le masque Superfood Hydrate aussi qu'on va appliquer sur ses cheveux un coup lavés. OK. Puis on va le laisser dans ses cheveux, ce qui va permettre de donner le max d'hydratation pour avoir une boucle vraiment plus souple, pas grichou du tout. Donc, on va être capable de contrôler les frisettes de cette façon-là. Oh yes! Avant, je sais qu'elle les portait plus droit. Donc, avant, je lui conseillais beaucoup le Smooth Perfection pour contrôler les frisettes. Okay. Garder quand même une bonne tenue avec le plaqueur. Mais là, étant donné qu'on est plus dans... Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques, tu sais, mettons, comme tes clientes qui ont les cheveux bouclés, là, est-ce que tu as l'impression quand même que les gens tendent à les utiliser un peu plus ou tendent à les assumer un peu plus? Vraiment beaucoup. Donc, tu sais, c'est important qu'on soit capable de leur conseiller des bons produits et qu'ils soient capables justement de garder la boucle super hydratée. Parce que souvent, les gens qui frisent, qui ne laissent pas friser, disent toujours mais moi, ma boucle n'est pas belle. Ça, c'est quelque chose que j'entends tellement souvent, là, exact. Ouais, mais moi, mes cheveux, ils frisent pas bien. Tu sais, c'est quoi ton explication par rapport à ça? Est-ce que Marie-Christine est plus gâtée que les autres? Les gens ne savent pas les travailler puis qu'ils n'ont pas les bons produits, en fait. C'est vrai que souvent, en fait, les clientes aux cheveux bouclés, ça a l'air, en fait, que c'est parmi les plus grandes consommatrices de produits. C'est vrai que le produit est pour beaucoup. Les manipulations aussi, quand même, ils sont pour beaucoup. Mais c'est sûr que, clairement, je pense qu'une cliente qui a les cheveux bouclés n'a quand même pas le choix, là, tu sais, d'avoir un minimum de routine. Là. Oui, exact. Puis, tu sais, c'est dans tout, là, juste de la façon qu'elle lave ses cheveux, de la façon qu'elle les essore, de la façon qu'elle les brosse, les produits qu'elle va utiliser à la maison, tout est vraiment important. Je pense qu'un coup que la cliente qui a les cheveux frisés trouve les bons produits, va aimer laisser ses cheveux naturels. Puis je trouve qu'elle a avantage à le faire, surtout aujourd'hui, on est beaucoup dans le lavé-porté. C'est tellement beau des cheveux frisés, si je pouvais friser. Là, j'ai pas de gants. Normalement, on met des gants. Donc, on va vraiment appliquer. Fait que là, en fait, tu as passé un coup de brosse exact. Partout oui. Pour fondre un petit peu. Juste de mon derrière pour l'instant, vu que c'est lui que là, je vais fondre, en fait. Là. OK. Là, je vais le faire dans le devant avant de... OK. Je veux vraiment pas que mon shadow descende trop bas sur mon... Sur ton blond, là. Face framing en avant. OK. Donc, je me laisse un petit peu de temps. Derrière, ça me stresse pas qu'il descende. Comme je vous dis, je veux de la profondeur. Je veux un effet qui a un petit peu plus de goutte d'eau. Donc, même si ça descend en arrière, il y a vraiment pas de stress. C'est vraiment mon devant que je veux maximiser la lumière autour du visage. Puis là, comme mettons, là, je repense à tantôt, là, comme la dernière section, là, celle sur le dessus, est-ce que tu la mèches ou tu la laisses? La dernière. Je la fais. Tu la fais, OK. Je la fais souvent en tricot pour me garder quelque chose de super naturel, super léger. Je la crêpe. Puis je viens encore me raccorder à mon fond, à mon devant. Donc, la première mèche en avant va être plus haute. Et puis, ma dernière va ressembler à mes dernières derrière. Je okay. peux pas venir me la monter ici si eux sont ici parce que là, j'ai plus de jonction. Ouais, ouais. Parties. Donc, il faut toujours que vos parties se joignent une à l'autre. Est-ce que tu te la gardes puis tu la fais en même temps qu'elle ou vraiment tu montes toute ta section? Je monte toute mon derrière. Donc, je suis environ mes mèches ont arrêté ou en arrière. OK. Et ensuite, je vais monter mon devant. Je vais faire mon face framing puis je vais terminer par cette étude. OK, OK. Fait que c'est vraiment comme eux que tu vas ajuster avec la distance exact. Que tu t'es laissée. Exact. Parfait. Puis, mettons comme en règle générale, comme là, ta dernière section est tricotée, est-ce que sinon les autres, en général, est-ce que ça se trouve être plus des voiles crêpées? Est-ce qu'il y a du tricot? Je mets voile quand que je veux de la masse. OK. Étant donné que je laisse beaucoup de profondeur à ma Christine et qu'elle a les cheveux frisés, si j'étais juste allée en tricot, j'aurais un peu perdu mon effet. Ça aurait été encore plus naturel. Par contre, si elle voulait, tu sais, si quelqu'un qui n'a jamais une mèche, est stressée d'avoir une mèche. Ça peut être comme un... Ça peut être juste en tricot crêpé. Vous okay. êtes sûr de maximiser l'effet naturel. Par contre, je dirais, elle a déjà eu des mèches. Ah, ça, c'est quoi? Puis je voulais vraiment un effet. Tu sais, je veux qu'on les voit. Donc, je suis vraiment en voile, mais je me suis laissé beaucoup de profondeur. Puis quand tu parles de tricot crêpé, dans le fond, c'est que tu tricotes en premier et tu crêpes après. Exact. Parfait. Super. C'est quoi le pourcentage, mettons, de tes clientes? Est-ce que tu fais pas mal tout le temps du double nuanceur? Est-ce que tu en as quand même quelques-unes? Du double nuanceur avec le fond? Oui, exact, avec un root shadow. Ou est-ce que ça t'arrive des fois de faire comme des différents? 80% OK. Fait que même tes clientes, carrément comme en mèche classique,
tu as réussi quand même à leur intégrer un peu cette valeur ajoutée-là. J'essaie parce qu'en ayant un fond, ça nous permet comme d'éloigner, d'espacer les rendez-vous, ce qui est vraiment meilleur pour la qualité du cheveu. Donc, j'essaie vraiment fort, mais il y a certaines clientes qui sont vraiment comme sur leur mèche racine, pas de fond. Oh, ouais. À la racine, mais clairement, on ne se cachera pas que l'entretien n'est pas le même, là. Oh, la qualité n'est ouais. pas la même non plus. Parce que, mettons, comme ton idéal, là, ça se trouve être quoi, peut-être, en termes de fréquence? Mettons, comme pour une consommatrice, pour le balayage, qu'est-ce que tu recommandes en règle générale? 4 à 5 mois. 4 à 5 mois, fait que c'est pas mal. Quand on se revoit, je ne fais pas des têtes complètes à toutes les fois. On va y aller peut-être juste avec le face filming, juste un demi-balayage, juste pour remonter quelques mèches à l'avant, mais jamais qu'on y va en tête complète aux 3 mois ou 4 mois. Là. OK, super. Puis avec les nouvelles tendances, si on pouvait se passer aux 6 mois, ça serait l'idéal. Fait qu'en réalité, c'est ça, tu préfères avoir un peu plus de repousse que pas assez, là, tu sais, en termes de fréquence. Plus tu as de la repousse, plus tu as du jeu, plus la couleur va être belle parce que plus tu joues dans du naturel. Donc, okay. C'est vraiment l'idéal. Mais encore là, je veux dire, je peux pas vendre cette idée-là à tout le monde parce que c'est pas pour tout le monde. Mais... Non, c'est ça, c'est pas tous les clients quand même qui sont. Sont prêtes. Puis là, comme étant comme ce nuanceur-là, tu vas le laisser environ combien de temps, là? Parce que là, je vois comme... 6 minutes. OK. Il agit quand même bien. Comme je te dis, avec le corps palatif qu'on a mis avant, les couleurs avaient vraiment bien. Puis de toute façon, ça a été bien décoloré. Le nuanceur que j'ai mis est comme bien dosé aussi. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, ça agit bien. Ouais, fait qu'il est comme sur le bon niveau. Puis quand tu la termines, dans le fond, est-ce que tu as comme des habitudes ou des choses que tu aimes faire, mettons, quand tu termines ton service de balayage, de gloss au lavabo, est-ce que... Je vais laisser agir, puis je vais venir repeigner avant de rincer, juste pour m'assurer que je me suis pas foncée à la racine, puis que ça l'a pas comme plus pris ici. Tu veux vraiment que ça soit bien mélité, fait que c'est important, juste ça. Dernier coup de brosse de sécurité pour dire « OK, parfait. » OK, fait que même au lavabo, dans le fond, là, tu vas mettre de l'eau, tu vas quand même en repasser un coup de brosse. Avant de tout rincer. Juste avant de rincer. Même si je laisse 30 secondes, je ne sais pas si c'est mental, mais j'ai l'impression... C'est jamais trop fondu. Exact. Donc là, j'aurais tout mis son nuanceur. Yes! Sur les côtés. Fait que je vais juste comme petit brosser. Avec un autre petit coup. Ça peut être un peigne, ça peut être une brosse. Ça dépend vraiment de ce que vous aimez. C'est sûr que quand on fait juste le fond, puis qu'on vient rincer après, puis ensuite on applique le nuanceur, c'est sûr qu'avec un peigne, on peut venir tâcher nos longueurs. OK, fait que tu aimes un petit peu moins. Avec un pad, ça absorbe la couleur au lieu de l'étendre dans tes longueurs. Ouais. Fait que c'est comme si le fait de brosser te laisse quand même un petit une petite marge de sécurité là en réalité là. Ouais. Grande insécurité. Oh yes. Ben écoute, j'aime quand même ça honnêtement, tu sais, je trouve le fait de tu sais d'amener le gloss à un autre niveau là, c'est carrément parce qu'on dirait que tu sais le service de gloss des fois ça se passe que les clientes c'est au lavabo puis ils ont même pas conscience qu'ils se font faire un service de gloss, tandis que là, on dirait que c'est quelque chose qui c'est très concret. Le rouge à dos, on l'applique souvent à la chaise. Le nuanceur, on va l'appliquer même si je le ferais comme dans la même étape. Souvent, je vais amener ma cliente au lavabo parce que ça fait c'est plus propre. Ouais, c'est que tu peux te permettre. Okay. Exact. Mais sinon, tout ce qui est le fond, je vais toujours l'appliquer. Fait que rouge à dos, c'est toujours assis. Exact. Puis le gloss, ça peut être assis comme ça peut être à la chaise. C'est vraiment comme le confort préfère. Je vais prendre une petite serviette. Super, donc, oui. Donc, tu sais, comme là, le fond est appliqué, le nuanceur est appliqué, j'ai brossé. Je ferai comme un petit temps de pause, mais tu sais, je sais pas si on voit quand même bien. Je sais pas si on peut approcher pour voir, zoomer un petit peu. Ouais, comme on va pencher un petit peu, voir ta tête. Tu sais, on voit là, que ça commence déjà, tu sais, le petit doré qu'elle avait commence à partir. Je garde quelque chose qui est quand même lumineux, quand même doré. Je dirais pas très cendré, mais ça va rester comme un peu plus beigé, je dirais. Ça va super bien vieillir, puis ça va bien fitter aussi avec sa couleur, son teint. Super. J'ai hâte de voir quand même tantôt le look frisé. Honnêtement, j'étais vraiment content quand tu m'as annoncé que tu avais une modèle frisée. Oui, vraiment, je trouve qu'on en voit de plus en plus, mais on dirait qu'on les travaille pas tant que ça encore. Parce que comme tu disais, avant, les clientes fuyaient un peu leur frisée naturelle. Ouais. C'était beaucoup plaqué, puis on faisait comme si c'était pas frisé, puis on faisait autre chose. Mais aujourd'hui, c'est... Oui, puis j'ai le sentiment des fois que même aussi comme des coiffeurs ont peur de ça aussi quand même. T'sais, autant que je pense que certaines clientes ont peur de leur propre texture, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de coiffeurs ont quand même peur aussi comme des textures différentes de cheveux. Là, qui... Ouais,
Oui, bien souvent, c'est que la cliente est déjà pas à l'aise avec sa texture, ce qui des fois va nous transparaître sur nous après, là. Mais c'est vraiment important d'être confiant au sens où, c'est ce qui est important avec un cheveu frisé, c'est la, tu sais, faut tenir compte de la porosité, de l'épaisseur, puis vraiment de respecter la santé du cheveu, parce que si le cheveu frisé n'est pas en santé, t'auras beau lui donner les meilleurs produits qu'il y a pas, ça frisera plus à un moment donné. Donc ça, c'est vraiment important. Fait que c'est quand même comme moi, c'est ça, c'est une grosse routine quand même, là. Ben, tu sais, dans le sens que c'est quelque chose qui est global. Comme tantôt, tu disais même aussi les manipulations quand on a les cheveux mouillés. Oui. Qu'est-ce que tu recommanderais, là, mettons, à partir du moment où est-ce qu'on va la rincer, parce que malheureusement, vous ne verrez pas tout ça en live, mais vous allez voir le résultat fini, en fait, à la fin du deuxième segment. Mais ça va être quoi un peu les étapes, là, dans le fond, à partir du moment où est-ce que tu vas l'avoir rincé pour la coiffer? Dans le fond, comment est-ce que tu te guides? Là? Fait que le shampoing revitalisant, on va utiliser justement un shampoing revitalisant qui est hydratant, fait qu'on va y aller avec Hydrate. Un bon masque qu'on va laisser dans ses cheveux pour la sécher. Okay. On va utiliser le démêlant aussi, le spray vainqueur, pour essayer de moins possible tirer sur ses cheveux, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment être doux avec la boucle. Avoir peut-être un peigne qui est un petit peu à grosse dent, donc peu importe le peigne, juste que les dents soient plus espacées, fait que comme ça, on défait encore moins. Fait que le moins de tension possible. Le moins de manipulation, le moins de tension, le moins, tu sais, l'essorage, on essore doucement, on ne frotte pas la serviette sur les cheveux. On ne veut pas aller créer justement le côté gris-chou, on veut garder le plus slicky possible. Donc c'est vraiment important, là, on essore doucement, on peigne, on va utiliser le diffuseur, on va utiliser des crèmes aussi. Pour la, tu sais, comme je dis, dans le fond, c'est Ça, j'ai hâte de voir. Ça fait une couple de fois là, que j'entends des commentaires par rapport à ça. Tu sais, un masque hydratant qu'on applique comme en leave-in, là, complètement. Oui, parce que, là. Parfois, c'est pas épeurant de le laisser sur le cheveu parce qu'il n'y a pas de protéines. On ne peut pas venir surgorger le cheveu, venir abîmer. On est vraiment en hydratation. Donc, c'est vraiment parfait pour les... C'est vrai que le cheveu bouclé, c'est sûr qu'il y a différents types de boucles, là, mais en règle générale, quand même, le cheveu bouclé a quand même une carence en eau. Là. Exact. Fait que si on garde vraiment une belle hydratation, la boucle est déjà définitivement plus belle. Et donc, tout à l'heure, vous allez la revoir avec le styling et tout. On va l'avoir refrisé un petit peu au fer. Puis, on va retoucher aussi les boucles avec le tamis ici, là, qui donne beaucoup comme de brillance puis d'hydratation encore. Fait qu'on va définir les boucles avec ça. Super! Écoute, ben, je suis vraiment excité. J'ai vraiment hâte. Fait que, en fond, si on résume, en fait, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, en fait, on a... Faites un positionnement de mèche. En fait, Joanie nous a montré un petit peu comme son application, comment est-ce qu'elles font les mèches, le positionnement aussi. Fait que, comme tantôt, tu m'expliquais un peu, Joanie, en fait, là, que c'est en règle générale, c'est trois sections, des fois une quatrième. Fait que, le face framing, dans le fond, qu'est-ce qui fait, dans le fond, que tu l'as fait ou que tu ne l'as fait pas? C'est vrai que maintenant, avec la tendance, il y a souvent une quatrième section qui est le face framing. Par contre, il y en a qui vont aimer ça super drastique. Il y en a d'autres qui vont les mettre un petit peu plus naturels. Fait que c'est ça aussi qui va jouer sur la grosseur un peu du face framing que vous allez faire, mais beaucoup selon la pousse du cheveu. Puis, comme je vous disais, c'est que ça tombe proche de l'arcade ciliaire, qu'on ne dépasse pas ça pour ne pas se ramasser avec quelque chose qui est trop imposant. OK, parfait. Fait que ça, c'est vraiment comme la section qu'il faut porter le plus attention. Mais en fait, je pense que chaque section, comme tu dis, c'est selon la pose du cheveu. Là, c'est des sectionnements simples, mais en réalité, comme il ne sera pas nécessairement... Pareil sur tous les clientes, là, en fonction de la pousse. Vont avoir beaucoup plus des grosses sections à l'avant, donc ils vont être beaucoup plus petits parce qu'il y en a qui ont moins de cheveux à l'avant. Fait que ça, c'est important de respecter ça. Là. Super, good. Fait que, ben dans le fond, fait que c'était un petit peu ça dans le fond pour le premier segment couleur. En fait, c'est ça. Vous revenez avec nous à 11h. On va vous présenter en fait tous les autres looks et le produit fini sur notre modèle Marie-Christine. Écoute, je te remercie beaucoup, Joanie, pour ton partage. J'ai déjà hâte de voir, en fait, tous tes modèles. Je vais vous montrer les looks qu'on a créés après pour, justement, pour cette collection-là. Okay. Yes. On se revoit après. Super! Merci. Un gros merci, Joanie! Merci!